Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf olfactif. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'anatomie descriptive, les rapports, les branches terminales, la muqueuse olfactive, la fonction olfactive et une conclusion. Le nerf olfactif est le premier nerf crânien. C'est un nerf sensoriel responsable de l'odorat. Ce nerf peut être objet de plusieurs atteintes donnant des tables sémiologiques variées, comme la perte de l'odorat ou la diminution de l'odorat. Il faut noter que les atteintes de l'odorat altèrent aussi le goût. Les traumatismes crâniens qui sont fréquents dans notre contexte, avec atteinte de la base du crâne, constitue une étiologie fréquente des atteintes de ce nerf. Ce nerf peut être aussi atteint en cas d'infection virale, comme en cas d'infection COVID-19, en cas de traumatisme, tumeur ou pathologie inflammatoire. Concernant l'anatomie descriptive, le nerf olfactif comprend quatre parties. Les racines olfactives, la bandelette olfactive, le bulbe olfactif et les nerfs olfactifs proprement dites. Pour les racines olfactives, ils sont au nombre de trois. Une racine externe ou hippocampique va vers l'extrémité antérieure de la circonvolution de l'hippocampe. Une racine blanche interne ou calleuse va vers le bec du corps calleux et une racine grise moyenne se perd dans l'espace perforé antérieur. La bandelette olfactive, elle est aplatie et triangulaire en coupe. Elle mesure 3 cm de long et elle est oblique en avant et en dedans. Le bulbe olfactif est un renflement ovalaire de 8 mm de long et de 4 mm de large. Les deux bulbes olfactifs sont presque au contact l'un de l'autre, car les bandelettes olfactives sont obliques en avant et en dedans. Maintenant, on va parler des nerfs olfactifs proprement dites. Ils naissent sur la face inférieure de la bulbe olfactif. Et sont de volume variable, environ une vingtaine, et sont disposés en deux rangées. Une rangée externe et une rangée interne. Ils traversent les trous de la lame criblée entourée de la primaire. Ils se terminent dans la muqueuse olfactive de la partie supérieure des fosses nasales. Concernant les rapports, en haut, il entre en rapport avec la face inférieure du lobe frontal. En bas, il entre en rapport avec le nerf optique et l'artère cérébrale antérieure. Aussi, il entre en rapport avec la lame criblée de l'ethmoïde. Voilà la lame criblée de l'ethmoïde. En dedans, toujours en contact avec l'os ethmoïdal, elle est en rapport avec l'apophyse cristagalli. En dehors du bulbe olfactif, on trouve le nerf nasal interne, qui est une branche du nerf ophtalmique, et les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, branches de l'artère ophtalmique. Au niveau du méninge, le nerf est entouré par une gaine de primaire propre, chemine dans l'espace sous-arachnoïdien.
À la traversée du crâne, les nerfs olfactifs traversent les trous de la lame criblée. Les méninges forment à chaque filet trois gants concentriques qui vont jusqu'au orifice. La pimère se continue avec le nivrilème des nerfs. Des rameaux venus de l'artère ethmoïdale antérieure, ils vont les accompagner. Pour les branches terminales, ils se terminent dans la muqueuse olfactive en occupant une petite surface du toit des fosses nasales. Ils se répartissent en deux groupes, les nerfs olfactifs latéraux, qui sont de 10 à 20 psinères, se disposent sur le cornet nasal supérieur, et les nerfs olfactifs médiaux, qui sont de 12 à 16, ils descendent sur le septum nasal. Concernant la muqueuse olfactive, la surface de l'épithélium olfactif est d'environ 10 cm. La muqueuse olfactive est constituée de l'épithélium olfactif et de la lamina propria. L'épithélium olfactif est un épithélium pleurostratifié, se compose de cellules de Schœlcher et de cellules sensorielles ou cellules de Schœlcher. Les cellules de Schœlcher ont une double valeur, celle de cellules olfactosensorielles et celle de neurones périphériques. On a aussi la cellule mitrale qui représente le deuxième neurone olfactif ou neurone central. Elle est située dans le bulbe olfactif et elle reçoit des milliers de cylindrax des cellules sensorielles. La lamina propria est un tissu conjonctif lâche en continuité avec le périoste et qui contient un plexus veineux, des capillaires artériels et lymphatiques et des neurofibres olfactives, des cellules pigmentées et des lymphocytes et des glandes olfactives. Concernant la fonction olfactive, le nerf olfactif joue un rôle principal dans la transmission des potentiels d'action de l'odorat au cerveau et il joue un rôle dans la saveur du goût. Alors, pour conclure, le nerf olfactif est un nerf sensoriel véhiculant l'influx olfactif. Il a des rapports importants au niveau de la base du crâne. Il peut être sujet de plusieurs affections, notamment l'anosmie, qui est une perte de l'odorat, ou hyposmie, qui est une diminution de l'odorat, ou cacosmie, ou altération de l'odorat. Il faut noter que diverses affections peuvent être à l'origine des troubles de l'olfaction, notamment d'origine obstructive, comme les polypes nasaux, d'origine malformative, comme l'absence des nerfs olfactifs, ou d'origine traumatique en cas de fracture de l'étage antérieur qui traverse la lame criblée et qui peuvent sectionner les nerfs olfactifs, et les tumeurs de l'étage antérieur, notamment les méningiomes, qui peuvent se manifester fréquemment par une anosmie unilatérale.